DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Tafachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Processus électoral en RDC, chers compatriotes. Élection et Kozala, to et Kozala te. Dialogue et Kozala, to nini et Kozala. Nazoka batomusu, swazolo bake, Fatih Akekuluka, Joseph Kabila, Joseph a payé sa autorisation pour transition il y a 2 ans. Ah, je me suis posé mille et une questions. Makamone outi wapi. De l'autre côté, batuya ambongo na batomusu. Balobi dialogue format 5o net ya 2016 plus de 208 personnes mutubako participé. Je ne sais pas Congo to komo kende na ngwapi. Est-ce que les gens sont prêts pour na ko kende na élection? Banani baza prêté. Etant to kende na élection, banani ba ko ki ko longa na pono mi de sous. Voilà ma question aux zo intéressé biso et autour de ça. Donc, on va réfléchir ensemble avec Dieudonné Kaninda, où il y a un communicateur. Il y a ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, où il y a autorité morale, princesse Adèle Kaninda Maïna, Naina Benakayena Mwende, maman intègre. Alors, Dieudonné Kaninda, il y a un travail de Mwakala, Mbiaka, Kolondako, Aïebiango. Tata, bon. Bien, DG. Merci, Mingi. Je suis à l'aise. Merci. Dans un cadre vraiment ok. Ma canessa qui t'a fait bimaka. Vous savez. Ouais, grâce à ma prière à intercesseuse de la République. T'es. Parce que maman, au-delà, il y a. Kozala. Moko yaï politique. C'est aussi une servante de Dieu. Parce c'est vrai, que, on va parler d'elle, ne t'en fais pas. Maman, quand elle fait des prières, des déclarations, moi-même j'étais témoin, je suis témoin, parce que santé de Rajagé Mouké, quand j'ai posé ces problèmes de la santé, au-delà de tout, maman avait prié pour moi. Ouais, c'est vrai. Princesse. J'ai deux relations avec Princesse Adèle Kaninda. La première, c'est une relation professionnelle. Et la deuxième, c'est une relation avec maman et moi. Ok. J'ai deux relations. Donc, dans le cadre de Moussala, je communique pour Princesse Adèle Kaninda. Marina, tout le monde le sait. Et je l'ai toujours dit à haute voix. J'étais toujours fier de communiquer pour la Princesse Adèle Kaninda. Pour la Nini. Nasala ke forte, aza na vérité. Ok. Nako sakate. Na lo bakaka oya sali. Ye pa ibi sakanga na lo bakaka oya sali. Maman intègre. Maman intègre. Alors, babundi sa yé moi trop, au finish, iya za la kana raison. Elle me dit un jour que Stéphane, la vérité est immuable. Oui, oui. Immuable. Inchangeable. Alors, kaka vérité te me aza la kana vérité. Aza na vérité. Donc, c'est ça. Donc, alors, j'étais toujours heureux. De travailler avec elle. C'est ça que je travaille dans les images et les habits. Je travaille avec les garçons, une fois dans la boutte, je vais me faire comme un casse. Tu vois ça? Princesse, pour moi, c'est une maman. Ou un apaisant maman. C'est une maman pour nous tous. Voilà. Parce qu'elle nous a accepté telle qu'elle nous a vu. Ouais. On a maman. Et puis avec lui, on a une très bonne collaboration. À tout moment, à chaque instant, maman nous cesse de nous encourager. Et nous donner la bonne conduite, comment nous allons communiquer. Toko ta la bousine de la makam. Nazo kabatu bazolo baki pouvoir nabino ya fachi. Boke koluka Joseph Kabila pour bosser la dialogue Kabila Kolo Congo. Donc, bossingi autorisation pas ya Kabila, bosser la dialogue, c'est solo toi le kouta. Écoutez, soyons sérieux. Monsieur Kabila, na maetali Congo. Il appartient au passé. Si photo bête à l'isola Kabila, faut parler de Kabila comme sénateur à vie.
pas allé na vacances. Je crois bien la session en septembre. Honorable Joseph Kabila, il peut bel et bien regagner place na yena Sénat pour na siéger ensemble na ba collègue na ba yeba ko tambusa école ndenge longo bani. Mais dire que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a qu'il coloca pas autorisation pour que na transition. Mais elle est l'okuta. Elle est l'okuta. L'okuta mon néné. Le chef de l'État chaque fois soka lingi akutana na ancien président. Tout le monde a une image circulée. Tout le monde a une photo. Mais il y a une image circulée, une photo. Il y a une transition. Or, le président, tu sais qu'il dit Azali, Naouti, na Etumba, il y a démocratie. Ayebi y a une transition. C'est de toucher na babibe kolikunzi tope na ba texte. Yango wana. Et tumba obiso to bundaki to boyaka glissement na mboka Congo to boyaki ke to kendaka na ba dialogue à tout moment chaque fois il faut organiser les élections to kendaka na ba dialogue pourquoi pas la classe politique congolaise ba koki ko sala dialogue peut-être pour notamment la condition de vie à ba enseignant oh le chef de l'État a meki ko améliorer dialogue morbe pour un objectif par exemple conditions de vie à ba fonctionnaire et tani neza nango ba si dialogue peuple ndenga la partage à ba gâteau parmi ba résolution zomi ba augmenter salaire ya ba fonctionnaire ya ba policier ya ba militaire ya ba enseignant ya ba agent et cadre service public ça serait une chose ya malunga oh ta bazoluka ba me mabiso na dialogue tant le cardinal Ambongo c'est notre papa il est notre papa comme papa Bokondo comme papa Dodo Kamba, comme papa Emina Simon Kimbangu Kiangani, comme papa Cheikh Abdallah Mangala, tata Abisso Yamilim. Tout ça, quand on respecte ma casse, pour na bango. Mais là, quand on a connu le bon papa Mbongo, ce qu'il y a, ça la politique, à ça la parti politique, tout traité comme politique. Ati kaka koya kana sima ya sultani ya mupe. Pour accorder quand on a maïna biso à politique, pourtant beaucoup le baba Simbi papa, c'est notre papa. On lui doit beaucoup de respect. On lui doit beaucoup de respect. Tant que baso le baki, tout qu'un dialogue format 5 ans avec 200 si combien de personnes et pour quelle finalité? Bato baba il faut s'enrôler. Bato baba il n'a pas encore qu'un ma ponami. Et comme baba il tous des na caprice n'a pas encore qu'un ma élection. Et le pays va se développer à chaque fois, il faut organiser des élections, il faut aller en dialogue, de dialogue en dialogue. Ndeko Stéphane, le chemin démocratique et démocratique comme Mboka Ezui, ils ont consacré mode d'accès à pouvoir na maponomi. Vous voulez nous amener aux élections pour susciter ba ennemi et démocratie? Bato baza naza dena ba papier n'a pas banda ba déclaration. Nous Bato Bayaka Kedon, si mon nom n'est pas sur la liste des dialogues, ma grand-mère va maudire les Congos. Vous voulez encore susciter les gens pareils? Oh, dans 4 mois, nous allons aller aux élections. Ndeko Fayulu, aboyi ne kotika, yaye, ba candidat, ba député. Ce qui peut aller qui problème, on fout à ba caution, ba candidat, et posa qui problème. Ce n'est pas notre affaire. Nous allons aller aux élections avec un vol de Delice Sanga. Ils sont de l'opposition. Nous allons aller aux élections avec l'homme de Bukangalonzo avec son truc là. Ils sont de l'opposition. Nous allons aller aux élections avec le monsieur de Kachebou. Ils sont de l'opposition. Nous allons aller aux élections avec Fumumpa, avec Nouvel Élan. Ils sont de l'opposition. Est-ce que le pays, pour se développer, qui n'est pas battu, on a mis balé bakota dans le processus électoral, inclusivité, balobakapo na l'élection. En réalité, les élections ne seront jamais inclusives parce qu'il y a catégorie déjà bazaka, partie prenante. C'est que tu fungo la chan na batunyo so ba kota ceux qui bango ba koti na bangote. En quoi cela va nous déranger? Que ba lukaba me mamboka na dialogue? Non. Et si déjà to inscrire na nzela ya mapona. Nous sommes en route pour les élections. Bah tu peux monsieur sonayo qui bah solo bah il faut besoin que tu c'est pas y a Joseph Kabila. Non, évitons Kabila appartient au passé. À l'heure actuelle, qu'est-ce que Kabila peut y avoir? Si Kabila fallait nous donner le cutis, il allait nous donner le cutis pour na batuna ya peur de bac de s'enrôler.
Vous voulez faire de Kabila PCA de la République? C'est lui qui gère, c'est lui qui dirige. Non! Il est démontré noir sur blanc. Le Congo a un seul dirigeant. A un seul guide qui est le président de la République. Qui est en train de conduire le pays vers l'émergence. Vers son indépendance effective. Le travail qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi nous, au sein de l'ALDEC, nous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes déjà alignés dans l'ordre de bataille pour ne pas seulement nous donner une majorité écrasante au Parlement, mais aussi lui garantir un second mandat. C'est ça le combat d'ALDEC. Qu'on pèse à Mokonzamboka une majorité écrasante et puis qu'on pèse à y ait deuxième mandat. Pour à quoi les choses qu'on multiplie, oh ya sali. Vous savez ce que Fatih a fait dans notre pays, le souci, la détermination, la volonté politique. Aujourd'hui, le Congo retiendra de Fatih de beaucoup de choses. La gratuité de l'enseignement, la construction de routes, la réhabilitation de routes, là où les routes n'existaient pas. Construction, réhabilitation, et puis modernisation, y a Banzela. Surtout que na ba hôpitaux, n'en parlons pas. Allez voir Mama Yembo. Surtout que na ba école, il y a des écoles modernes. L'eau et l'électricité sont taxées à tous les Congolais grâce à Fatih. Ba veuve militaire, hier leur salaire, y a qui na ba 50 000, 30 000. Aujourd'hui, c'est une augmentation. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés Congolais grâce à Fatih. Sur le chic international, notre pays et l'amour qui le souche. Il n'y a pas longtemps, nous venons d'assister, le pays avait accueilli une très grande activité de renommée mondiale, GF Francophonie. Et Tiké Libiso, infrastructure de base haute aux allées dans le Tala lelo nde bilenge bazo beta masano ya basket na besika o esengeli. Tala lelo etumba ya jido. Weza ko bunda ma na ba place lelo ba bunda lelo ba ko bunda me lelo bazi ya bango esika. Lelo sur token election sans Kabila. O moni pese ke ma pronomi wana ko kende pe salemi esili ki mi ape na mboka. Le Congo restera Congo. Token ele pronomi sans Kabila par quel de quelle loi? Déjà, Kabila Ndazawana, selon notre constitution, ne lui permet pas. Ah, il y a candidat député national ou président de la République. Pour dire que c'est ok, ma pronomie sans Kabila. En 2006, dans ces pays, le vieux Tshien Tshisekedi, avec sa famille politique, il dépêche. Ils n'ont pas pris part aux élections. Cela n'a pas empêché Jean-Pierre Bemba d'aller aux élections. Et si aujourd'hui, M. Kabila, conscient de leur bilan chaotique, a boi na eko ke na ma pronomie. Et c'est ça notre problème. Je ne trouve pas que c'est ça, ça sera intérêt. Que de dire que non, élection le lot sans Kabila et Zalaka ou non, le Congo restera Congo, le ciel restera bleu. Oui. Le Congo et Osaka Congo. D'ailleurs, ne pas prendre part dans l'élection pour nous battre à PPRD, c'est un aveu de l'échec parce qu'ils n'ont pas un bilan. Peuple à Bayabang. Et puis, laissez le nom de Kabila. Il cherche à faire le nom de Kabila comme un fonds de commerce. Kabila sert à sous-politique qui est dans Bango. Bango n'est pas comme un autorité morale. Il n'est plus avec eux. Batika Kabila, à Pema, à Salaye Moussala, il y a Babila Nganaya, comment on a fermé Naye. Batika, il est sénateur à titre honorifique. Il peut ne pas siéger, mais. Il reste sénateur. Batika et Apema. Élection, bozoz luka luka. Bozoz prépona qu'une élection, bine batu Aldek. Ata balobi lelo torokende. Aldek. Oui, nous sommes prêts. Aldek a réalisé un exploit jamais vu au Congo. Troisième parti politique ayant atteint le seuil de recevabilité avec 94%. Sur le tendu de la République. ALDEC
c'est un parti national. 453 députés et candidats députés nationaux alignés à travers la République. Et dans 453, ce sont les représentants des 26 provinces. Si vous allez à Louébo, à Ilébo, à Mueka, partout à travers la République, dans le Congo central, na kwilu kwango ma indombe, aldeka de candidats. 453. Nous sommes troisième parti politique au Congo. Après MLC, IDP, c'est ALDEC. Voilà pourquoi nous félicitons notre initiatrice, l'autorité morale. C'est grâce à sa détermination de l'homme. ALDEC a dépassé même certains regroupements politiques. Oh, bah, ça n'a pas parti belé. Mais surtout, va atteindre sa recevabilité, tu vas déclasser candidature. Mais ALDEC, en tant que parti, ALDEC est allié. ALDEC 557 mélange. ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Madame Princesse Adèle Kayinda, elle est une patrimoine national. Elle va partir Michael Jackson. Elle va partir Malette. Au bas qu'il y a une élection, il y a 12 candidats. Au bas qu'il y a une élection, il y a un sous-soupe. Mais la vision de la dame, de notre autorité morale, de voir un grand Congo. Demain, ALDEC, avec les députés et les candidats que nous avons pu aligner à travers la République, ça donnera la chance à ALDEC demain. Pourquoi pas ALDEC Azanaba ministre naïe? Pourquoi pas ALDEC Azanaba gouverneur naïe? Les ambitions démesurées étaient pour ALDEC, vu tant naïe existence. Vous ne voyez pas il n'est pas question d'avoir... Mais quand on dirait moto, est-ce qu'il a bien préparé des ambitions démesurées de Bozolo Babongo? Pour qu'un des comptes partis politiques au lieu et place, il y a ALDEC, pour ça. ALDEC à la Kissina Bateau, et c'est une grande force et c'est une machine capable de tout brailler dans Nzela Naye. Et cette machine est en train de travailler. Yango, bah félicitations, Ming, il faut qu'il y ait une autorité morale. Tu dois savoir que c'est la première fois ALDEC a Kende comme parti politique. Exactement. Et puis la première fois qu'il y a Kéi Bongo à atteindre sa recevabilité. Ce n'est pas une chose facile. ALDEC, un parti qui est né en 2017, aujourd'hui en 2023, la première fois d'aller aux élections, bah, tout le monde se bagarre avec un grand parti, aux forces du Congo. Bah, qui n'a pas regroupement, Sangissa, pour bah atteindre ça. Mais ALDEC, Yemoko. Okay. Il faut dire merci à Maman Kipenda. Naïbi Sakabatou chaque fois. Basakaba jeté na moto à bouka kama bolongo na se pona kolele la nzambe. Et to moni pe mkolo ya samedi adhésion na ALDEC ya Asbel Oyo Adelou Asbel bakoti plus de 3000 personnes. Hein. Je ne sais pas 10000 ou 5000, je ne sais pas. Mais on a vu la salle à niveau ya Alliance Franco-Congolaise remplie. J'étais là, j'ai vécu cet événement en live. Nous avons vu notre autorité morale a exhorté la foule sur l'ALDEC. Elle a enseigné l'idéologie de l'ALDEC. Vous voyez le quoi la basse a miné ne boye n'enge bayaka ko s'adhérer na ba parti le quoi la partie ALDEC le quoi parti moral ya mounene avec plus de 10 000 membres déjà ont déjà bah, signé bah, fiche la bonne adhésion ou bah continue à quatre ALDEC et allez bah, explore au ALDEC à Zola qui ça était ALDEC. Nous sommes une très grande formation politique capable de tout. Tu peux si sous yango chaque fois il faut remercier cette dame la détermination qu'elle a pour voir un grand Congo.
Elles ont défité à lancer la baninga mususu. Au sort pour la kisa ngo kenga naza. Et cette question que la kisa défité. Tu sais, tu peux être dans la politique sans avoir des ambitions, sans avoir ce que tu veux. Alden Kebotami en 2017, en 2023, aligné 453 candidats. Puisqu'en 2018, Princesse Azaki, Aldek bien sûr, mais dans 4 regroupements, AFDC, Moko et Amounen et Nambo Cannabiso. Ça te provoque Jésus. Oh, on a commis Satan Jésus. Est-ce que Satan a fait le souvenir? Parlons Aldek. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Aldek, tu as qui s'y face à l'opinion nationale qu'internationale, nous sommes capables. Nous sommes capables. On a banga. Non, pourquoi et puis, parce on peut aller ébeler, mais on ne peut rien gagner. Aldek, Eza Lingomba ya Balongi. Na Aldek, je gagne. Aldek, je gagne, je suis Aldek. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et le plus important, c'est quoi? Nous gardons nos valeurs chrétiennes au sein d'Aldek. Nous gardons des valeurs chrétiennes. C'est un parti qui est créé à l'inspiration chrétienne. Les gens ne peuvent pas que la mouki na tongo, ba sali parti. Maman a zwa ki révélation. Les gens tiré na Galates 5, 6, 28, quelque chose comme ça. Et lelo, tomoni Aldek, déjà prêt pour l'ordre de bataille. Ma partie belle, parce que nous sommes une grande partie. Nous sommes un parti installé dans l'ensemble du territoire. Mais ils ont aligné comme des candidats. Mais il y a un regroupement pour atteindre ça. Il y a recevabilité. Mais Aldek, il faut dire merci à Maman Kipendano. Ok, merci. Nous continuons avec notre mission. Chers compatriotes, très important. Très important. Bilan, il y a mon Zambouk. Pour toi. Est-ce positif ou négatif? Tu ne penses pas que dengue na zoyo kabakatumbiste bazolo ba ke bilan na est négatif, ça risque de peser négativement na balance ya Aldek to ba tout surtout bazala en cas de ko soutenir Fati. Déjà, c'est que maman intègre est en train de faire na cas de portefeuille. Ça fait partie des bilans chef de l'État. Par réforme, oh, mais Mikuna n'a portefeuille. Pourquoi Tobengake maman intègre? Elle est vraiment telle que le mot intègre nous indique. Respect, il y a tango. Ah, tango et koti. Kuna dek et zato sa yelangonga. Tango. Et mon konzamboka, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un bilan à présenter à la population congolaise. Félix Assisi va opposer Munoko. Aujourd'hui, dans mon pays, on ne parle plus de l'opposition. Quel type de l'opposition que vous voulez parler? Quel type de l'opposition? Le messieurs de Kachebo, lui, il parle et il dit des choses des fois qu'il ne maîtrise pas avec ces robots communicants qu'il utilise. Lui pense vraiment que dans ce pays, on peut voter un étranger comme candidat, comme président de la République. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Le monsieur là, à Zakota, la Congo, la frontière, il y a Zambie, il y a Kasumbalesa. Et pour traverser ces frontières, il y a zone qui est réservée à la zone neutre. À comment même pas, il y a Sima, la frontière, on a un grand marché, mon Nézawana. Parce que Mouto, Baloukozo, Lukabo, comme il s'apprésente de la République, il a été incapable d'affronter la dictature de l'ancien régime. Et il sera mesure d'affronter les M23. Il sera en mesure d'affronter les Mobondo. Et si là réfléchissons. Le président de la République a un bilan.
si vous voulez me laisser le temps, je vais toucher quelques, comment on appelle ça, quelques points essentiels pour vous parler de bilan. Non, nous avons un bilan. Prenons par exemple sur le plan de l'éducation. Quelle a été la qualité de l'enseignement ou des enseignements d'hier et d'aujourd'hui? Hier, dans nos quartiers, il y avait des jeunes gens, 6, 7 ans, quelle classe te prends, va benganinga. Le président de la République a hier. Il faut démystifier les luxes. Les écoles de luxe et comment à la portée de tout le monde. Il fallait appliquer la constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement. Bango bah la dit non, nous on avait la gratuité, mais c'était d'une manière partielle. Non, 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 non. La constitution va appliquer quand on dans mouté. Va appliquer d'une manière générale. Parce que quand à Kinshasa, on parle de la gratuité, même Bandeko Bazana Yakoma, na Boudjala, na Ingende, na Sekebanza, na Ngandanjika, na Aou, na Masisi, na Kasongo, na Pangi, na Kabambare. Ils sont bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas seulement dans un coin de la République de Bobandiango. Même Bandeko na Bazan na Sando, akuna pa mama d'elle. Na pesi ba ngombote, ba na Sando wa nyoso. Ils sont bénéficiaires. Avec la gratuité, avait augmenté le taux de scolarité à Bana. Il fallait construire de nouvelles écoles pour na, ko rendre yango effectif Bana nyoso baza un accès ya kelasi. Il y a des écoles qui sont entrées et qui ont été construites pour renforcer la gratuité. Tolekiwana, tokena secteur mususu. Il y a éducation et il y a énergie. Courant amai. Il y a eu des coins de la République en plein 21e siècle pour mwinde pelabwe. Batikalo mona ngote. Le VPM Jean-Pierre Bemba nous a fait des révélations que des pas Botama. Atika lomo na courante na lisala. Atika lomo na courante. Or c'est quoi là? Bah qui na barrage ya zongo. Mais courage ako kendo. Grâce à Fachi. Bazu courant. Grâce à Fachi. Courant na mai et komi accès et donc et komi ya bato nyonso. Tout ça c'est Fachi. Hein? Hier, sous d'autres régimes, sous l'ancien régime, nous avons assisté à des arrestations arbitraires. La liberté d'expression que la Constitution nous parle. C'était qu'un slogan. Mais aujourd'hui, tout le monde peut passer à la télé et dire ce qu'il veut sans être inquiété. Les cachots secrets de l'ANR. Et Kendap tracassera le bureau de dans chaque coin, il y a ville, il y a république. Au cas où le bureau de Kanye Moutou, il y a qu'un fractionnaire, il y a un danger public. Et Kendap tout ça, c'est Fachi. Nous avons instauré un état de droit. Mais c'est cet état de droit qui est aujourd'hui palpable à tous les Congolais au monde. Soit dans le domaine, par exemple, il y a sécurité. Kinshasa, Tomboka, Kiat, Mobondo, Kuluna. On vient de recruter 13 000 policiers pour renforcer notre police, pour renforcer notre sécurité. La situation de l'Est de mon pays, ça nous dérange. Mais les FARDC sont en train d'aller de victoire en victoire. Kolanda Banyo Solo guité à les réseaux sociaux, ils vont ramasser les images de Boko Haram, mais ça les mains à étrangers, pas mais ça noir babi non, na Masisi, on a tué autant de Congolais. Oh, et ça campagne de diabolisation, pas bah il n'est pas tout régime. Mais il y a certaines personnes
qui estime aujourd'hui que Fatih a memeli Batolisusu insécurité makasi avec M23 qui dispar, qui était déjà disparu et Fatih a zongi entre autres c'est Francis Muyumba que tu te souviens récemment et il a dit ça. Écoutez, très choquant. Écoutez, très choquant. Kabila n'a jamais vécu les M23. Il est allé négocier avec des rebelles. Mais c'est grâce. Il y a état de siège. Il y a un noir sur blanc. C'est le Rwanda qui nous attaque via les M23. Et conséquence, la Belgique a refusé la lettre d'accréditation de l'ambassadeur rwandais. Tout comme en Égypte. La force de la diplomatie agissante. Donc c'est pour vous dire, nous avons un bilan. Ce qui est ok sur le plan, il y a finance, sur le plan économie. Ndeko Stéphane. Aussi, il y a taux de change. Et belé, balé, kéne, bétando, basolo, bela. Mais tant que vous quittez, personne n'en parle. C'est la Banque centrale du Congo qui conduit la politique monétaire de la nation. Ce n'est pas aux individus. Un de ces quatre matins, c'est libéré monnaie de $57, au 290, au 270. Non, il faut suivre les taux officiels de la Banque centrale. Malheureusement, le peuple congolais qui sait ça ne suit pas. Les gens sont plus dans des spéculations. Ndeko Stéphane, c'est pour une première fois le budget national d'être revu à la hausse. Budget Zeleka va revoir mon assez. 13 milliards. Les a pesé à solo. Oh là là. L'impact n'a même pas sur le terrain. 16 milliards, voilà. Ce que c'est à l'okuta. Mais quoi, Banat? C'est pour une première fois. Mon salaire, oh, IGF. Les gens pensent que. L'IGF, c'est une invention de Félix Tshisekedi. Non. Tshisekedi est venu trouver l'IGF existait déjà. La Cour des comptes existait déjà. Hein? Tout ça. C'est pour combattre la corruption. La patrouille financière de l'IGF. Lobby, même ça qui est sur Mbongo à l'État, va coller un fait Bela. Avec IGF, Mbongo à l'État est Bela. Et Bela, te balia kate. Mais maintenant, au regard de tout ça, nous avons un bilan à présenter. Face à tous les candidats au Nazomona, le président Félix Tshisekedi pourra-t-il s'en sortir? Il est face à Matata, il est face à Mozito, il est face à Fayulu, face à Katumbi. Délice Sanga, pour ne pas le citer aussi. Ça s'annonce dur. Hein? Tu as oublié un candidat. C'est qui? Franck Dion. Jean-Claude Bayende. Denis Mukwege. Denis Mukwege. Oui. Celui-là, c'est le candidat le plus sérieux. Tu as commis ça, ma maman, le rôle à radio. Réparateur. Est-ce qu'on peut réparer un être humain? Bon, ils sont libres d'utiliser tous les mots qu'ils veulent. Hein? Donc, bad maman, a dit ce moment, bah, chose, bah, il faut pas réparer. Dans tous les candidats que vous avez cités, il n'y a aucun candidat qui peut faire face à Félix Tshisekedi. Denis Mukwege. Il ne fera pas face à Félix Tshisekedi. Il ne fera pas. Déjà un budget de 18 milliards. Ah, mais il était aux affaires. Comment il n'a pas pu proposer ce budget-là? Katumbi qui a Matata a été ministre des Finances. Écoutez, c'est le ministère des Finances qui est dans la mobilisation des recettes de l'État. Je ne sais pas dans mon pays, pourquoi la fonction. Mais Mayele a mobilisé 16, ce qui a lui combien de milliards? 18 milliards l'année. Par an. Ils sont sérieux. Mais il est très sérieux. Non, il doit d'abord nous expliquer. Tracteur, il y a Bukangalon Zekenda Wapi. Par quelle magie, Oloni Masangu et Boti Université na Kindu? Et si la justice de mon pays était comme acharnement politique? La Cour constitutionnelle, ma tante a dit qu'elle est déjà
instrumentalisé pour l'arrêter dans un procès politique. Non, écoutez, il y a un doctrinaire, un professeur Emmanuel Xavier Luzolo Bambi, nous à la faculté de Tzaro Bengele Lauréat. Il a été des rares des professeurs. Bah, c'est prononcé en ababétiste. Il a éclairé l'opinion. Donc, dans mon pays, et comme il s'est dit, il y a un bon abisso. Sobali Batsan Maboko, et comme acharnement, et comme un procès politique. Ma kamba bazola, qu'est-ce qu'il y a de la politique là-dedans? Vous avez été à la gestion de la chose publique. Il y a des soupçons de détournement de fonds de deniers publics. Et si la justice, Babengio, il y a comme un procès politique. Qu'est-ce que vous entendez par un procès politique? C'est lui qui est arrêté par des opinions politiques. Et comme Motomoka Koufine na Makamuna est privé, qui n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec l'État. Et comme Erasma Neko Stéphane Zamba Pambola. Zamba Batela. Amen. Pour des graves révélations que vous avez faites, vous avez éclairé l'opinion. L'affaire Chiriba Okende. L'affaire Chiriba Okende, je ne sais pas si vous pas. Non, vous avez éclairé l'opinion. Tu as la protection de Bakisimbi, de Bangunza. Ah bon? Nous t'avons Simba, Zate, nous t'avons Simba, Bakisimbi, Barobi Melaye. Nous t'avons Simba, Zate. Bakisimbi, les bananes. Barobi Melaye, nous t'avons Simba, Aromo, Bakisimbi. T'es, n'a pas mon abaroti, Kasso. Exactement, n'a pas eu, n'a pas eu, papa, Baruti, n'a pas eu, n'a pas eu, docteur Jésus. N'a pas eu, n'a papa Baruti, mais moi je t'assure la protection de Bakisimbi. Mon toto ko simba. Mon toto ta za nzambe sko Bakisimbi ba kozala na yo. Na pesso deja kata Kisimbi baza no porto ba no ro za na ba. Sans effet. Ta ko za ba baza luka. Na mwana ba mwana. Moto ako simba yako kutana na Bakisimbi. Mwana nzambe za kana Bakisimbi. Eza ke soko mwana nzambe. Bongane mwana satana. Bakisimbi pe ba nzambe. Yo vanda na Bakisimbi na vanda na jini. Mayi na yebisio Bakisimbi ba kozala na yo. Moto to ko luka yo. Ako kutana na Bakisimbi. Parce que merci, vous avez sauvé le régime d'Eko. Oui. Vous avez sauvé, vous avez éclairé l'opinion. On va tirer dans le suspense. Moi, je me mettais à dire paix à son âme, Chiriba Okende. Il représentait quel danger pour que le régime ait occasionné l'Iwanaye. Quel est le propos tenu par Chérubin? Chérubin pose à la députée, il a fallu Eliezer Bazobanda Mbobavo Babambaye na Lukunga. Le chef de l'État, Félix, toi tu sais qu'il dit, au-delà d'être démocrate, c'est un pacifiste. Bah, traité inconscient dans le Parlement par un monsieur, il sont qui librement sans être inquiété. Na moto le chef de l'État inconscient. Na Chérubin, s'il fallait vraiment régler compte, qui on allait régler le compte? Mabunda, il voit le chef de l'État comme rien devant lui. Tamba Mwamba. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi Mwana Nzambe, Mouko Ntombo, Mwamai, il y a 50 qui sont bien de Bazalaranae. Il y a 4 chefs de l'État, 50 qui sont bien. Voilà qui sont bien. Ozana Bango. Yozana Baki Simbi Bazalaranae. Bango. Oboya Bangote. Au bando kota na bango de na bureau de batikali na mitika. Jamais nga na tambola kana Yesu. Oko sala na bango bisabeto zana Yesu te. Bisabeto ana Yesu. Sa paboma ba kisimbi na otu. Problème ni na ngai. Na zabi sayo. Te ozola ba gena ezo ni ko ba yango na pension ke na yebisi ke ba kisimbi bazana yo. Ya yo. Bazana yo pe. Yo pe ba kufanda te. Awa makila Yesu. Ba kufanda. Ozana bango. Zoboya bango. Dena CDA nako ba kisa vizu mi bale ba komisis misusu nandako ndako wapi nandako nayo anga kota mle de kisimbi na entre wana di mesin fono kaninya bima ngayi nazana donc c'est pour c'est pour vous dire que Ndeko Stéphane l'opposition aujourd'hui sont en perte de vitesse et en panne des initiatives de tous les candidats et ça dans mon côté. Pour Félix Tshisekedi dans un 98% dans l'élection. Il y a des gens qui ont été élus. Il y a des gens qui ont été élus. Il y a des gens qui ont été élus. Il y a des gens qui ont été élus.
sondage moko bimaka récemment. Non, mais sondage on va comment monnaie wana 45% ya katumbi sondage moko boy. Ah! Tant que na ir na ko matin na 20%. Mais ba sondage je peux savoir ba 45%. Tout le monde peut manigancer avec les agences, ba entreprise on a ba sondage. Stéphane 80%. Mais sur terrain. Sur terrain. L'opposition congolaise ont été incapables de mobiliser une seule commune de Ngaba lors de leur activité. Et ce sont ces gens-là, même si Basangani, ils seront en mesure de vaincre Tshisekedi, de battre Tshisekedi. Il y a certains qui ont une Ligue des Champions. Dans son sien, ils ont la meilleure élite de y a Congo. Cinq meilleures élites à Congo, Bazan et Union Sacrée. Yeliboso. Vital Kamere. Mbale. Evariste Abouchab. Emissat. Lambert Mendo Malanga. Les noms échappent. Sur Yéna Royeb, ça. Mibalana Nabosa Liban. Cinq meilleures élites à Congo. Bah, tu fais partie aussi. Non. Hein? Il fait partie des meilleures élites à Wapi. Fait partie des meilleurs perdants, les gens qui ont échoué ou comment? Échoué à quelle élection? Législative nationale. Il fait partie des meilleurs perdants. Oh. Mais maintenant, ben, échoué, Guit. Oh. Hmm? Oh là là. Ah, Gamboy. C'est contredire grâce à l'obi l'okuta. À ce qui va là. Princesse Adèle Kaïnda. Ah. C'est la championne. Oh là là. La championne Nassandoa. Ouais. Qui peut contester la leadership de la princesse leadership, ouais. Et la princesse Adèle Kaïnda Nassandoa. Non, je confirme ça. J'étais qui avec... peut contester. Je confirme ce qui va annoncer le lobby qui t'a Sandoa ville morte. Ma papa, ma maman, bilenge, ma koya, koyambaye. Hein? Tangozo loba, tout le temps, la meilleure élite de la République. Et l'élection à Sénat, il y a trois candidats, trois provinciaux, moyenna, quelque chose, bah, même dans le Sénat, il y a une meilleure élite. Non. Mototang, il y a. Même pour le Sénat. Où est-ce que le professeur Bati? C'est le maréchal. Hein? Ah. Hey. Un Maradona qui s'est fait dribbler, a dit Tchobo, maman Adèle Kaïnda, baloukabe, maman Adèle déjà n'a pas tant de sébi, wow, batouba gang. Il pensait avoir dribblé tout le monde. Le professeur Modeste Bati de Kwebo, laissez-moi vous donner ce. Il n'est pas sincère envers le chef de l'État. Soit il a l'homme Maramzou sur le terrain des tribalistes, hein? Ce n'est pas le tribalisme. Bati n'aime pas les Kassaïens. Pour preuve, depuis Batazala, nana kita na kasaite. Sera commis de Santa Kassa ya redélégué Batou. Allez-y. Camarade, allez-y. A kita na kasa, il n'a qu'à nanga na Mbujimayi. Bata était partout. Sauf au Kassai. Soka komi era etumba. Ndeana ebi ya lagana baid na simana ete. Mais quand même, rappelant, j'ai gâté comme il récompense à ma vice-maman, il y a ma gendre, il y a Bana, la famille d'abord. Mais tant que je suis tombé, voilà, je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé dans un stade, je suis dans Union Sacrée. Je suis tombé dans un stade, je suis tombé dans un stade, je suis tombé dans un Serge dans stade, na terre, na tripé kuna na ngaliema. Tant que Bissot va au terrain, n'a pas étendu pour dénoncer le dédoublement. Même maman Adèle, elle a comme objet, il y a chantage, il y a un robot communicant, il y a Tindak. Maman Adèle, elle s'est battue à tenir un groupement pendant que le président est en exil. Il y aura raison à Covid. Kangamina Covid. Akimi! C'est bon, on se limite par ici. Mais,
Un monsieur compétent comme celui-là, vous avez compris. Moutabouga compétent en quoi? Kaninde, toi, tu vois, tu vois, c'est lui qui était chassé d'un portefeuille avant tout le monde. Il est compétent en quoi? Pour bien gagner. Ah! Et selon vous, vous pensez. On va revenir sur ce sujet. On va revenir. Tu appelles aujourd'hui un Moutabouga incompétent ou incompétent? Tu as dit incompétent. J'ai parlé de la compétence. D'incompétence? Non, compétence. Ah, parce que Ranaibi, s'il faut parler de l'incompétence, je peux prendre plusieurs preuves de l'incompétence. Plusieurs d'ailleurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo avec sourire aux lèvres, nous demeurerons toujours vrais. Et tout le monde est comme si on a beaucoup de choses pour être congolais et abysses. A très bientôt. DG Stéphane, Balamwangi, Congo Yalumumba, Congo, Tafati Beton, Tangwe Kokio, yo yo, Tangwango Yango, yo yo, Koki. Landa Kango, Papa Stéphane, Balamwangi, oh yeah yeah.